Lul, j'ai une clé. Je vends ma clé pour 10 euros. Intéressé, contactez-moi. J'ai une clé, les gars. Les gars, je vends ma clé 10 euros. J'aime pas trop Valorant. J'ai une clé MDR. Je la vends 15 euros, les gars. Une clé MDR. Je la vends 15 euros, les gars. MDR. Je la vends 15 euros, les gars. J'ai une clé MDR. Je la vends 10 euros, putain. Maintenant, premier arrivé, premier servi. J'ai une clé MDR. Je la fais partir à 10 euros. Qui dit plus? Qui veut une clé? Qui est intéressé? Clé 10 euros. J'en ai qu'une. J'ai une clé, les gars. Je fais partir à 15 euros. Putain, c'est remonté. Premier arrivé, premier servi. J'ai une clé. J'hésite à la vendre. Je fais quoi? J'hésite à la vendre, frérot, mec. Mais attends, mais pendant 10 minutes, tu l'as vendue, là. J'ai une clé. Encore. Ça fait beaucoup, là, non? Je la fais partir à 15 euros, maintenant. J'ai une clé. Bam, banni. C'était à la bêta de Valorant, DSL. Oh, il est trop fort, lui. Lui, il est trop fort. Il a mis DSL. Ok, déjà, ça commence bien. Compte créé le 2 décembre. Banni par chez lui. Pas de... Ouais, bon, on a compris, quoi. Bon, après c'est un ban permanent ad vitam aeternam si derrière le mec il fait de la merde, quoi. Ah ouais, vous êtes en mode ban, vous? Putain, la vache, vous êtes trop salé, sérieux. Attendez, le but du jeu, c'est quand même de déban des gens, hein. Soul team et pas que, quoi. Tu vois bah, rejeté. Ouais, bah... C'est... Remember it. À quand le prochain Teach Us? C'est de la ranquette? Non, split. C'est commande, son du jeu. Y'a quoi dans le Yungtis Royale? À quand le prochain Teach Us? Ouais, c'est comme ça que ça s'écrit. Teach Us. Ok. Rouzout ton doudou. Un ban? C'est quoi? Oulala, le second degré, vous connaissez pas trop ici. Les nazis sont gentils. What? Je suis gentil. Du coup, t'es un nazi? Non, enfin, je sais pas, c'est juste par rapport à ce qu'il mettait. Il t'en reste sur le bout du nez, 6-4. Ça te manque pas d'avoir une bête d'équipe et d'enfoncer des petits culs, sérieux? 6-4, mets-toi du noir autour des yeux et le cosplay de Fétide et Good 1. Oh putain, la vache. Mec, humour. Allez, oncle Fétide, fais pas ta mesurée. Oncle Fétide. Oui, bah oui. Oui, voilà, j'ai envie qu'il revienne, cette personne. Rejeté. Allez, hop. Ouais. Nous aussi, on a de l'humour. Et savoir que tu vas rester... ban comme le gros trou du cul que tu es, ça nous fait marrer. Le mec, il a gagné une Pro League quand il y avait que lui. Maintenant, il serait même pas capable de garder une ligne en PL maintenant. Oh putain, la vache. Free Fire, best jeu au monde. Oh, non. Wesh, 6-5, c'est quand la date de sortie de la nouvelle saison? Pourquoi tu rages? Go report. Il est en live pendant 3 jours. T'es en live pendant 3 jours. T'es en live pendant 3 jours. Il reste jusqu'à quelle heure? Ok, go sur le live de King George. Tu nous fais trop l'ancien sur Rainbow Six. T'es susceptible. Elle est susceptible. Oh, la vache. Mais il a quel âge, lui, sérieux? Ouais. Grave susceptible. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu vas rester ban. Quelle remontada? YT, YouTube. C'était pas voulu le ban Alibi DSL. Ah, putain, la vache, les mecs, ils écrivent comme des merdes. Regarde la demande d'unban. Bien le bonjour. Je peux vous prouver que je ne streamhack pas. Je suis avec deux amis. Et on lançait des games. Quand un de mes potes me dit que 6-4 est en live. Donc je vais voir. Et j'avoue que j'ai pas pensé au fait que cela signifiait de streamhack. Peu importe si vous me croyez ou non. Je vous souhaite une agréable journée à vous. 11 ans, quoi. Bien le bonjour. Je suis avec deux amis. Et on sait pas trop si on doit déban ou pas. Du coup, un de mes potes me dit « si, faut déban ». Et l'autre me dit « non, faut pas déban ». Du coup, j'avoue que j'ai pas pensé à la possibilité d'un déban ou d'un ban. Peu importe si tu nous crois ou pas, on te souhaite une agréable journée à toi. PS, mais ce sera pas sur le chat. Ok, allez, dégage. Si tu tombes contre Spoit et que tu gagnerais ou tu perdrais. Oh la vache. La France est foutue, les amis. La France est foutue. Sérieusement. Wesh bébé, ok. Tu peux faire une dédicace
à le nazi. C'est bon, je leur ferai plus. Il a essayé de faire ban une chaîne. Ouais, bon, et tu peux dire le mot nazi, non? Ça, c'est la culture de la bien-pensance absolue, là, qu'on est en train de récupérer des États-Unis, quoi. Le mot, tu vas plus pouvoir dire les mots, tu sais. Ah, ils sont tellement cons, là-bas, putain. Ah, ils me font chier, franchement. Les Américains me cassent les couilles avec leur mentalité à la con, sérieux. Ah, ils m'insupportent, quoi. Tu peux dire le mot. Le problème, c'est l'idéologie qui va derrière. Le mot n'a jamais... Je fais gaffe à ce que je dis pour cette phrase, quand même. Le mot n'est pas le problème. Voilà, quoi. Moi, j'aime bien rire de tout. C'est hyper important. Extrêmement important. Tant que tu dis pas c'est bien ou c'est pas bien derrière, quoi. Il y a eu, hein, dans les conditions générales, là, à un moment où, justement, t'avais plus le droit de dire de gros mots et tout, d'insultes. Ils partaient dans leur mentalité américaine à la con, là, sérieusement. Oh, mon Dieu, sérieux. Et du coup, ils sont revenus un peu dessus, quoi. Dans les conditions d'utilisation, ils avaient mis des trucs du genre, si c'est à des fins éducatives ou c'est pour de l'humour, ça passe. C'est marqué dans les conditions d'utilisation. Bon, voilà, quoi. Moi, l'important, c'est de pouvoir rire de tout. Ça, c'est hyper important. Qu'ils me l'enlèvent pas, surtout. DSL pour ta première tête. Non, c'était un pote. Moi, j'avais H silencieux, MDR. Il n'y avait rien d'offensant ou déplacé. Et à aucun moment, je n'ai stream hack. Au premier kill sur 6-4, l'application Twitch n'était même pas lancée. Oh, god damn it. Oh, ils sont forts, quand même. Aïe, 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 aïe. Déjà, voilà. Regardez par quoi ça commence. Est-ce que ça a commencé par une insulte, un truc? Ça commence par le pire des trucs. Le mec qui vient dans le chat et qui dit GG. Ouais, ouais, d'accord, on les connaît, on les connaît. On les connaît, les GG, on les connaît. Rejeté. Il n'y a rien d'offensant ou déplacé dans ce ban. Juste pour le faire tilt un peu. Désolé, je dois y aller. Mon application Twitch avec laquelle je te réponds à l'heure actuelle n'est même pas lancée. Allez hop, ça dégage. Ok. Oh la vache! Oh la vache! Qu'est-ce que tu attends de plus de la nouvelle mage de Rainbow Six? Ubisoft qui rendrait Rainbow Six gratuit? Tu as fait quoi après le bac? Tu t'es lancé tout de suite dans l'EA Sports? It's in the game. Ou tu as continué tes études un peu avant? Si je peux te demander. Ah, tu viens de le faire, trou du cul. T'es sur ton main? En vrai, le mode streamer sur la prochaine saison, ça va faciliter pas mal de choses pour les gens de Twitch. Tu trouves pas? À quand un jeu d'horreur en coop avec Mary toutes les minutes là? Je peux te pécho 6-4, hein, ok? MDR, la censure. 6-4, Clutchmaster, le mec ne sait pas ce que c'est que des emotes. Y a pas une liste des sujets à éviter, qu'on sache moins de quoi on a le droit de parler. Mais les mots bannis, on les connaît pas. Comment les éviter, MDR? Tu pourrais peut-être nous raconter en vidéo tes pires rencontres. Rencontre les abonnés. Quand tu dis que tu peux pas tryhard, c'est une excuse pour justifier le fait que tu galères aujourd'hui? Ou c'est sincère? Que penses-tu du départ de Pengu de Rainbow Six? Penses-tu que ça marque le début de la vraie fin de Rainbow Six? Banni, 78 secondes. Je comprends vraiment pas ce que j'ai fait, c'est ouf. Je pose une question quand même intéressante et pas polémique. Et je me fais target ban, quoi. GG 6-4. Je pense pas, non. C'est très subjectif, après. Et je comprends que vous fassiez ça par peur que tout le monde le fasse, mais c'est pas une raison pour Théo, à tout va, quoi. Bref, je répondais à The Friendzone, Pong, mais ok, pas de soucis. Les modos, des chômeurs qui se sentent pousser des ailes, car pour une fois, on leur attribue une tâche. Oh, il a tellement raison. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est dingue comme les gens qui ont un minimum de pouvoir éprouvent le besoin de faire chier le monde, hein, disait Boris Vian. Hein? Donc, quelque part, voilà. Ah, c'est une pépite, c'est une pépite. C'est vrai, les surveillants, non? Embêtant, ça. Ok, alors, c'est parti. J'ai malencontreusement vanné les modérateurs de cette chaîne, car j'ai été agacé par leur comportement que je trouvais dépourvu de sens. Me Théo de manière totalement aléatoire, quelle que soit la question que je pose. J'admets cependant le fait que je n'aurais pas dû écrire un tel message. Puis-je être des bannes? Non. Mmh.